Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 avril 2022 et je suis encore parti en vadrouille parce qu'il y a plein de coins que j'ai encore pas fait et j'aurais peut-être pas assez toute ma vie pour les faire tellement qu'il y en a ici dans les Ardennes. C'est pas la peine d'aller au bout du monde, le bout du monde est le paradis, pour moi c'est là, regarde-moi ça. L'ours est là, bordel! Oh, ça fait un moment que t'es là. Ah ben, je t'ai regardé arriver avec ton vélo. Et puis je cherchais. Ah ben putain, là, je suis passé là, j'ai me cassé la gueule. Putain, ça pue la merde, tu bouffes quoi là? C'est du camembert. Ah ben, ça m'étonne pas. Tu peux pas bouffer du pâté et naf comme tout le monde, toi, non? Ah, puis elle est grosse, la boîte. Hein. Oui. Donc voilà, toi, sans doute sur le camembert, puis sans doute sur quoi après? Du Justin. Bridou. Ah, comme mon Philippe. Voilà, monsieur était jaloux parce qu'il me voit saucissonner tout le temps. Il avait ras-le-bol. Il m'en faut aussi du Justin Bridou. Alors, aujourd'hui, tu es en RTT. Ouais, et on est le... Je sais plus quelle date. Le 29. Voilà, le 29. Vendredi 29. Alors monsieur est en RTT, il attendait cette journée-là parce qu'il voilà. Regarde mes vidéos comme c'est un fan et il dit putain vivement que je sois retraite bordel de merde, c'est que sûr. Je puisse me barrer dans le bois avec mon Justin Bridou voilà. Et ma jument qui est derrière. Joli jumper. Joli jumper. Elle nous a pas fait chier ce matin, ça va. Hein. Donc c'était pas prévu qu'on se rencontre. Non. Donc c'est une surprise que je lui ai fait, je me suis planqué quand même dans la grotte ce matin. Ouais.
Et puis je lui ai fait l'ours, mais bon, ça n'a pas bien marché quand même. Il s'est dit qu'il y a quand même quelqu'un dans la grotte, mais il ne savait pas si c'était un SDF. J'ai cru que c'était un SDF. Ah ben voilà, qui avait pris abri là, ou si c'était un photographe. Oui, oui. Bien sûr, un photographe, il t'attendait pour prendre des photos de toi. Oui. Non, mais tu te prends pour un mannequin ou quoi, toi? Bon, allez, je continue. Donc, pâté et neuf avec mon couteau là, et puis ma baguette. Et puis j'ai des noix, j'ai une compote, j'ai du babybel. On est sur un vieux tronc d'arbre, je vous le montre, voilà. Voilà, le gros dégueulasse en train de bouffer, il est heureux. Ah oui, voilà. Je suis en pleine nature. Voilà, et c'est naturel. C'est naturel, voilà. Allez, bon appétit. Merci Philippe. Bon appétit mon Jean Nono. Merci.